J'avais un élève qui était un bon élève, qui était scolaire, plutôt scolaire, qui était bon en maths, bon en français, qui... Voilà, mais je le sentais pas forcément hyper motivé. Enfin, il faisait tout ce que je lui demandais de faire. Mais je le sentais pas forcément hyper motivé. Voilà, quand il avait fini et il me disait, c'est bon, j'ai fini. Bon. Et à la fin de l'année, là, il a proposé en fait d'apprendre aux autres à jardiner. Et là, j'ai vu un autre visage avec une autre lumière dans ses yeux. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage que, en parallèle de tout ce qu'il réussissait à faire, j'ai pas pu mettre en place dans la classe un coin vraiment du vivant dans lequel il puisse s'investir et aller faire son jardin justement quand il avait fini ce qu'il avait à faire. Je me suis dit que c'était dommage que je ne l'ai pas exploité avant. J'étais frustrée. On a tous une intelligence primordiale ou deux, trois, mais on ne les a pas toutes développées au maximum. On est tous différents et on est tous des ressources les uns pour les autres. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences multiples et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi ressources que moi finalement dans la classe. L'idée, en fait, c'est surtout de faire prendre conscience aux élèves de leur intelligence. Même si c'est peu de temps pour eux dans la journée, pour ceux qui ont une intelligence kinesthésique ou musicale, au moins qu'ils en prennent conscience et qu'ils sachent que ça, c'est leur point fort. C'est pour les enfants pour les parents qui ont besoin, pour une autre façon de voir les choses, parce que je vois trop d'enfants qui sont en souffrance. C'est plus simple de diriger sa classe en disant ben on fait comme ça aujourd'hui et c'est comme ça, les règles, c'est comme ça, et c'est moi qui vous donne le savoir et vous appliquez. Après, on ne s'occupe pas de savoir effectivement si les enfants sont bien, s'ils sont... Ceux qui sont en difficulté, ben ils sont en difficulté, voilà. C'est avéré dans le système, ils sont en difficulté. Il faut les envoyer chez l'orthophoniste, chez le psychomotricien, chez la psychologue, parce qu'il faut vraiment qu'ils rentrent dans le moule. On dévalorise un grand nombre d'enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui vont perdre leurs ressources, qui vont perdre leur identité, parce qu'en fait, c'est une question d'identité, hein. Les intelligences, moi, je rapproche ça vraiment de l'identité et de la spécificité de chacun. Si dès la petite enfance, on valorisait les huit intelligences, on pourrait avoir des gens qui soient épanouis dans ce qu'ils sont et qui font du sens en fait. J'ai un certain nombre d'outils dans ma besace. Même si le système ne me propose pas ces outils-là, et même si dans mon environnement, on ne les met pas en place, ben moi, de toute façon, dans mon identité et dans mon individualité, rien ne m'empêche de les mettre en place et de les faire vivre. Donc je me dis que si on les transmet déjà aux enfants et qu'ils les vivent, ils puissent les vivre pendant un an et les faire vivre, ce sera quelque chose qu'ils auront à eux et qu'ils pourront faire vivre dans d'autres situations. J'ai mis le marché des connaissances en place. Ça s'appelle comme ça parce que l'outil s'appelle comme ça, mais eux, je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aux autres que vous aimez faire par-dessus tout? Chacun apprenait un petit groupe, il y avait des petits groupes de 5 et chacun transmettait en fait. Et après, on a vu, on a fait un cercle de parole à la fin du marché qui a duré 2 jours, sur qu'est-ce que ça nous avait appris, qu'est-ce qu'on avait apprécié, et comment on se sentait quand on était. Quand on transmettait des choses qu'on aime, quoi. Et à partir de là, de leur proposer d'être des personnes ressources dans la classe par rapport au domaine d'activité. Si on a un problème, par exemple, de maths à résoudre et qu'il y a un expert en intelligence logique ou mathématique, on va plutôt vers lui. Si on a des questions plutôt sur les animaux, sur la nature, etc., on va plutôt vers un autre. On fait prendre conscience aux enfants qu'ils sont tous intelligents, qu'ils ont leurs forces, leurs faiblesses, leurs difficultés. Passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire comprendre que c'est pas parce que il a cette intelligence-là qu'il ne peut pas accéder aux autres. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de s'ouvrir
aux autres intelligences, mais pour ça, il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il soit déjà conscient de son intelligence, de comment il fait dans son intelligence, pour pouvoir après ouvrir sur les autres intelligences, mais avec son processus à lui. J'ai une grande table au fond de la classe où j'ai installé du matériel pour les 8 intelligences. C'est-à-dire que ce sont des petits ateliers dans lesquels ils peuvent aller quand ils ont terminé un travail ou quelque chose comme ça. Et comme ça, il y a les nourritures pour les 8 intelligences. C'est-à-dire, j'ai mis des jeux de construction pour les intelligences visio-spatiales. J'ai mis des mandalas et des feuilles pour plutôt toujours ceux qui ont une intelligence intrapersonnelle, qui veulent. Voilà. J'ai mis des livres pour ceux qui veulent. Les linguistiques, des sudoku et des jeux mathématiques pour. Voilà. Et il me manque la partie musicale qui est la plus compliquée. Il faut que je fasse plutôt un coin écoute ou quelque chose comme ça parce que bon, faire des instruments de musique pendant que les autres travaillent, c'est un problème. Voilà. Enfin, j'ai essayé de commencer à voir un peu et toutes les périodes, je vais changer les outils pour. Je vais faire un coin aussi où ils vont pouvoir s'occuper de plantes. Je vais mettre un poisson, ou, voilà, qui est quelque chose pour les naturalistes. Enfin, voilà, je vais réfléchir et intégrer petit à petit, mais je pense qu'ils vont me donner des idées aussi. J'ai vraiment vu qu'à travers ce marché des connaissances, c'était les intelligences multiples qui se révélaient. Parce qu'il y en avait qui voulaient leur apprendre à semer des graines pour avoir des légumes. Il y en a un autre qui voulait leur apprendre à jouer au rugby. Il y en a un autre qui voulait leur apprendre à faire des paniers en origami. Un autre, enfin. Et en fait, je me suis aperçue qu'en leur proposant cette entrée, déjà, ils montraient quelle était leur intelligence primordiale. J'ai vu que j'étais juste là pour les accompagner, pour mettre en place le contexte, pour les aider quand ils avaient besoin d'aide. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient capables d'apprendre seuls et de s'auto-apprendre et de s'entraider pour apprendre. Et moi, je suis effectivement là en tant que veilleur, je dirais. Plus on est dans une relation horizontale et plus on leur fait confiance et plus on entend qui ils sont et plus on les reconnaît. Et plus ils sont respectueux et moins on a besoin d'autorité. Et tout de suite, enfin, ça se voit sur leur visage. Ils sont, c'est, enfin, je me sens, enfin, je suis reconnue. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Quand j'ai expliqué à mes enfants qu'il y avait 8 formes d'intelligence et qu'effectivement, c'est pas parce que on n'est pas très doué en mathématiques ou on n'est pas très doué en français que on est en échec pour la vie. Eh ben, en fait, je crois que depuis, ils savent en fait quelles intelligences ils ont et sur quoi s'appuyer. Et depuis en fait qu'on a parlé de ça et que je leur ai montré en fait qu'il n'y avait pas une intelligence meilleure que l'autre, ils se sentent beaucoup plus en confiance et ils savent, enfin, ils ont décidé d'aller vers le chemin pour lequel ils sont faits. C'est difficile déjà parce qu'on est dans un système qui ne dit pas ça. Donc, un système qui est assez verrouillé par rapport à ça. Je sais que j'ai une intelligence logico-mathématique pas très développée. Et quand je suis arrivée en cycle 2, je me suis dit, ben, comment je vais leur faire passer les maths? Parce que si je leur fais passer que par des fiches ou par des choses comme ça, enfin, même moi, je ne vais pas arriver à transmettre les maths. Et en fait, je suis passée par mon propre processus de voir comment moi je pouvais comprendre et fonctionner. Et en fait, on manipule beaucoup, on fait beaucoup de jeux, de maths, on fait beaucoup de. Et voilà, j'ai trouvé ma manière de le transmettre parce que pour moi, c'est pas une intelligence que j'ai développée. J'ai toujours été en difficulté, quoi, en maths. Quand on commence à donner la parole aux enfants, ou quand on commence à les laisser acteurs de l'apprentissage, ou quand on rentre dans une relation plutôt horizontale,
Et il faut quand même avoir un peu travaillé sur soi et être bien dans ce qu'on veut, dans qui on est, dans le lâcher prise de certaines choses. Soit, effectivement, on fait le programme et on tient pas compte des enfants, effectivement, qui sont en marge et qui sont en difficulté par rapport à ce qu'on leur propose, et on peut aller au bout du programme sans problème. Soit on met en place des choses pour que chacun puisse être reconnu, et on ne va pas tout à fait au bout du programme. C'est un choix. Il y a 8 formes d'intelligence. L'intelligence linguistique, logico-mathématique. Ensuite, il y a l'intelligence naturaliste, l'intelligence musicale, intrapersonnelle, interpersonnelle, visuo-spatiale, l'intelligence kinesthésique. Officiellement reconnues, elles ne le sont pas. C'est une recherche qui a été faite, des livres ont été édités, des enseignants effectivement pratiquent dans leur classe, mais très peu. Et une majorité d'enseignants ne connaissent pas les intelligences multiples. Moi-même, je les ai découvertes il y a à peu près 3 ans. Et quand j'en parle autour de moi aux enseignants, ils me disent, mais on ne sait pas ce que c'est, on n'en a jamais entendu parler. L'année dernière, il y avait un enfant qui chantait super bien, qui avait une très belle voix et qui avait le rythme, qui a compris tout de suite. Enfin, ça, c'est ma collègue donc qui fait la musique qui l'a repéré. Et quand elle lui a fait le retour en lui disant, mais tu sais, tu chantes très bien, tu as le rythme, ça se voit, tu entends vraiment la musique, etc. Et tout de suite, enfin, ça se voit sur leur visage. Ils sont, c'est, enfin, je me sens, enfin, je suis reconnue. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et j'ai l'exemple aussi de ma fille l'année dernière qui est arrivée. Et elle me dit, maman, j'ai une bonne nouvelle. Alors je dis oui. Elle me dit, tu sais, j'ai eu 20 en chant. J'ai dit 20 en chant. Alors j'ai dit, ah bon? Si ça veut dire que, j'ai dit, ça veut dire quoi ce 20? Elle me dit non, mais le 20, c'est une chose, mais c'est surtout ce que m'a dit le prof. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, le prof? Il m'a dit qu'il adorait mon grain de voix. Et du coup, elle a répété à tout le monde. Elle a dit à son père, elle a dit à ses grands-parents, elle a dit. Et ça l'a porté pendant presque une semaine, quoi. D'avoir eu 20 en chant, parce que le prof adorait son grain de voix, quoi. Mais pour elle, c'était une révélation. Et je trouve que là, il a été faim, parce que je suis persuadée que 20 en chant, il y a des profs qui diraient, mais c'est pas possible, parce que la perfection n'existe pas. Et 20, c'est quand on est parfait. Et lui, il a osé lui mettre 20. Mais parce que, voilà, il avait touché quelque chose d'identitaire. On fait des décloisonnements les après-midi. Donc, une collègue à moi fait la musique, moi je fais les arts plastiques et une troisième collègue fait la découverte du monde. Donc tous les circuits électriques, enfin, des choses que moi je ne maîtrise pas du tout. Et en fait, les enfants sont mélangés, les classes sont mélangées et tous les après-midi pendant 1 heure et demie, on tourne. Le mardi, ils vont avec une enseignante, le jeudi avec une autre et le vendredi avec la troisième. Et nous, on transmet des choses qu'on sait transmettre, des choses qu'on aime. Et en fait, là, on ne se pose pas la question de savoir. Oui, on trouve ça normal. Nous, on est. Voilà. Moi, les arts plastiques, ça me parle. Ma collègue Marlise, la musique, c'est sa passion. Et elle est chanteuse dans une chorale. Et enfin, elle vibre pour la musique, ou la musique la fait vibrer. Et mon autre collègue, voilà, c'est sa partie, quoi, la découverte du monde. Et du coup, les enfants aiment beaucoup ces temps-là, mais je pense aussi parce que nous, on les transmet avec qui on est et avec notre intelligence primordiale. Je pense que je vais aussi leur dire, ben moi, je suis personne ressource dans cette intelligence-là et leur montrer qu'il y en a d'autres pour lesquels je suis moins à l'aise, mais que je fais quand même vivre et que je suis obligée de faire vivre en tant qu'adulte et que ça s'apprend.
Pendant le premier siècle d'école, on s'est basé essentiellement sur ces deux intelligences-là, linguistique, logico-mathématique. Ce sont les deux sur lesquels les tests de QI se basent aussi. C'est-à-dire quand on envoie des enfants faire un QI parce que ils ont une intelligence, on dit précoce, on se base sur ces deux intelligences-là. Et en fait, Gardner dit que c'est un bon outil pour vérifier que l'enfant va être scolaire, mais c'est vraiment pas un bon outil pour dire que l'enfant va réussir sa vie. Au collège, au niveau du bulletin, en fait, il y a toujours en premier, c'est français, les langues, les maths, et c'est comme s'il y avait en fait dans le quelque chose en fait déjà qui disait que ça c'est plus important et ça c'est beaucoup moins important. Et du coup, en fait, on ne valorise pas. Ça fait pas partie des matières, on dit les matières principales. En fait, c'est dans tout le vocabulaire qu'on utilise, dans tout ce qu'on montre, dans les évaluations qui sont faites en fin d'année, les évaluations nationales, que ce soit en CE1 ou en CM2, ce ne sont des évaluations que sur les maths et le français. Donc même si dans nos classes, effectivement, on fait autre chose que des maths et du français, quand bien même la norme, on se norme juste à partir de ces deux intelligences-là. On est en train, avec une amie qui est thérapeute, qui s'appelle Annie, d'essayer de voir comment on peut accompagner des parents justement et des enfants qui sont en difficulté scolaire à travers les intelligences multiples, de voir quelle est leur intelligence primordiale, puisqu'on a tous une intelligence primordiale ou deux, trois, mais on ne les a pas toutes développées au maximum, et de passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire comprendre que ce n'est pas parce que il a cette intelligence-là qu'il ne peut pas accéder aux autres. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de s'ouvrir aux autres intelligences, mais pour ça, il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il soit déjà conscient de son intelligence, de comment il fait dans son intelligence, pour pouvoir après ouvrir sur les autres intelligences, mais avec son processus à lui. D'analyser le processus, de voir comment il fonctionne, pour ensuite les aider à s'ouvrir aux autres intelligences. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a une ou deux entrées qu'on ne peut pas s'ouvrir aux autres. Mais encore faut-il en être conscient. Et c'est une histoire de processus, vraiment, de décortiquer comment on fait, comment notre cerveau fonctionne, comment nous on fait dans notre vie de tous les jours pour apprendre dans tel domaine et comment on peut le transférer à d'autres domaines. Pour moi, si on était que dans l'intelligence logico-mathématique ou que dans l'intelligence linguistique ou que dans la naturaliste ou que, le monde aurait perdu ses couleurs, quoi. Et c'est parce qu'il y a les 8 formes d'intelligence qu'on a un monde en couleurs. Imagine qu'on soit dans un monde où il n'y ait plus de personnes qui aient cette intelligence musicale. Plus de musique, plus de concerts, plus de. Je pense qu'on aurait un gros manque. Plus de personnes qui soient dans l'intelligence naturaliste. Plus personne qui s'occupe de l'environnement, plus personne qui s'occupe des animaux, des végétaux, plus personne qui jardine, plus personne qui développe le vivant, enfin des choses comme ça. Moi, ça me fait plutôt penser à ça. C'est-à-dire, soit on vit dans un monde en noir et blanc, ou soit on vit dans un monde en couleur. Développer ses intelligences, c'est développer un monde en couleur.